Et donc, yop tout le monde, c'est Nibra, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, les amis. Je suis fatigué. Hein, je pense que vous avez vu dans l'intro les marches que j'ai montées. Bref. Yo tout le monde, c'est Nibra, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, on est sur Pokémon Go, bien sûr. Le truc du moment, entre guillemets. Alors, je sais pas ça parce que ça rapporte des vues, hein, tu vois, mais. non, c'est con. Alors, si je propose du Pokémon Go aujourd'hui, c'est que je ne suis pas chez moi. Je vous ai soufflé, les gars. Donc, je ne suis pas chez moi, je suis au Portugal, donc au Algarve, donc au sud du Portugal, en ce moment. Et c'est super chaud. Putain. Donc, voilà. Et là, le seul truc que je pouvais vous proposer, c'est du Pokémon. Donc, Go, bien sûr. J'ai du mal à dire Go à la fin, à chaque fois, Pokémon. Bref les gars, la seule chose que je peux vous proposer pour l'instant c'est du Pokémon. J'ai mon ordi avec moi, donc je vais pourquoi pas vous faire des vidéos en musique, des Nuke Express, etc. sur BO3. Pourquoi pas si vous voulez les gars, comme vous voulez, si vous en voulez, vous me le dites dans les commentaires. Il y aura un peu de Pokémon Go pendant les vacances. Peut-être 4-5 vidéos, voilà. J'arrive pas plus là en plus. Alors désolé pour les voitures. Là il y a un avion, je sais pas quoi. Ah les avions publicitaires, ça c'est. En fait, ça passe au-dessus de la plage, tu vois. Et il y a écrit des pubs dessus. Genre, il y avait de la pub pour Béfica. Non, pas Béfica. Enfin, je sais plus c'était qui. Paris Sporting, je crois. Enfin, je sais plus, un match. Je sais plus qui on avait joué. Donc là, je reviens de la plage. Je suis bientôt chez moi. Enfin, chez moi, entre guillemets. Là où je séjourne. Donc là je vais aller poser ma serviette. Donc vous voyez les Pokémon proches en ce moment, voilà. Je vais vous faire voir pendant ce temps-là un peu les Pokémon que j'ai. Hop, je vous fais un peu des filets. Alors j'ai juste posé ma serviette à l'entrée et après je vais me partir me balader un peu. J'ai repéré un petit chemin qui pourrait être sympa. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu. Tout ce que je peux avoir. Hop, poser la serviette. Ah, il y a encore des marches, hein. C'est dur, mais bien. Voilà, moi je pense que j'ai bientôt fini, oui, c'est ça. Donc il me reste encore deux colonnes, je crois. Voilà. Vous voyez que, à part Rookoops, j'ai rien évolué pour l'instant. Des sablettes, il m'en manque combien? Bah, la moitié, écoute. Hein. On en est loin. Alors pourquoi j'ai pas beaucoup de poussière? Simplement parce que j'avais chopé un. Comment. Merde, faut que je la retrouve. Pas un Nosferatu. Voilà. Nosferatu. Voilà. C'est ça. J'en ai chopé un. Hein. Donc j'ai mis tout. Des bonbons. Pour l'augmenter, tout simplement. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, ça s'en bat les couilles. J'ai envie de vous dire. Hop. Donc voilà, je vais faire des petites coupures comme ça et on se retrouve quand il y a un petit Pokémon. Là on va faire un tour qui va durer 40 minutes, une demi-heure, on verra. Hein. Pas grand chose non plus. Parce que là j'ai la dalle en plus. Aïe aïe aïe. Nico il a la dalle, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 50 minutes. Ce serait triste. Il y a aussi un autre truc qui est bien avec Pokémon Go. C'est que. Attendez, je vous enlève quand même ça, pour avoir un peu la route. Tac, voilà. Il y a une autre chose qui est bien avec Pokémon Go, c'est le fait que. Comment. Que ça prend pas beaucoup de connexion, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, là, ça va me prendre 5 MO, tu vois. Bon, ça, vous avez compris où je voulais en venir. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. De connexion, ouais, c'est, j'ai ressenti ça. Ça va me prendre 5 MO par demi-heure. Et je suis à l'étranger. Je me suis donné, tu vois, 2 gigas pendant les vacances, ça me fait 15 euros de plus à payer. Bon, ça va, 15 balles, tu vois. Pour un mois et demi, un mois, voilà. Ça va, tu vois. Donc, ouais, ça va. Voilà, c'est raisonnable. Donc, 2 gigas, c'est pas beaucoup. Et vu que. Ah, bah tiens, premier Pokémon. Vu que ça prend pas beaucoup, bah, c'est encore mieux. Alors, je vais essayer de faire des petits roulés. Je suis pas un pro en lancer, hein, je vous annonce. C'est à ce moment-là que j'ai réussi mon lancer, tu vois. Putain. Là, je suis vraiment à la campagne. Hein. Je pense que je vais vous faire une petite coupure de Pokémon à ce moment-là. Quand je vais arriver, puis. Allez, dans 200 mètres. Pour vous filmer un peu l'endroit.
Alors je me demande quand on a des hyperboles et tout le bordel, parce que ça commence à être chiant, tu vois. J'aimerais bien me taper des Pokémon peut-être pas un peu plus rares, mais déjà un peu plus forts. Tu vois. À partir l'échange, je l'ai pas loué. Je suis plus sur tes côtes, pas méchant. Elle veut m'amadouer. Je suis sans tous mes potes, y'a pas de méthode. Mensons partout, ouais. Je suis sur écoute, c'est les rats, followers. On est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leurs pigments. Hein. Tellement je suis perdu, mon gars. Tes mains. On voit même plus le Pokéstop. Ah bah tiens. Non, il s'est. Voilà, il est là. Le fameux Pokéstop. Tiens, on va essayer de passer par là, tu vois. On va passer à droite. Je connais, je suis jamais passé par la droite. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'adore sur Pokémon Go. Je suis un endroit que je connaissais pas du tout. Voilà. Je suis venu ici, j'avais un an pour te dire. Donc, tu vois, je marchais à peine. Je voyais ma mère comme Dieu, tu vois. Tu vois, quand je dis ça, ça veut dire que très bas, tu vois. Tu vois, j'étais à quatre pattes. Non, je lisais donc. Quelle maladresse. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça que tu te sens mal. Donc, je voyais ma mère. Enfin, toute ma famille. Enfin, je voyais le monde de plus bas, tu vois. Du coup, je voyais rien du tout. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Et. Bah, du coup, je connaissais pas trop l'endroit. Et puis avec Pokémon Go, tu vois, t'as le GPS. Tu vois, sans ça, je serais jamais passé par la droite. Ah, normalement, j'étais censé passer par la gauche, tu vois. Mais je vais passer par la droite pour voir, tu vois. Même s'il y a beaucoup de voitures, c'est ce que je vois. Au moins, ça soit une propriété privée. De toute façon, on s'en bat les couilles. Putain, les gars, j'ai peur. J'ai peur. Bon, allez, on y va. On va bien voir. Est-ce qu'il est possible de passer par là? Putain, les gars, je sais pas où je suis, c'est vrai. Genre, il y a des maisons bleues, des vieilles maisons bleues. Bref, ah, il y a un chemin, c'est bon. J'ai cramé le chemin. Il y en a un plus là-bas. Oh, il est attaché, il est monté. Regarde-moi ça, il y a des machines à laver, gros. Elle date de 1950. C'est horrible le truc. Hey, je suis obligé de vous filmer ça, attendez. Bon, c'est pas moi, mais moi je me tire d'ici. Hein. Oh putain, il y a un scoop. Tu crois qu'il baise le mec en face? Ça ken sa mère. T'es mal à la cabane. J'ai envie Pokémon carrément, tu vois là. Je suis en mode découverte. Alors aujourd'hui on va visiter des endroits à glauques, de voilà, un réel plaisir toujours. Hein. Je suis obligé de vous filmer ça au moins jusqu'au bout, tu vois. T'es mal les gens. Oh putain, y'a un mec. Y'a un mec. Attends, y'a un mec. Je parle pas ta langue, sa mère. S'il me parle, je me mets à courir. Oh. Moi je parle pas ta langue, tu vois ce que je veux dire. Putain, il m'a regardé mon frère. Ok, je suis impatient. Je suis 1m60. Tu vas faire quoi? Quoi toi? Mais... Dis-moi, tu vas faire quoi? Ah, c'est un bar. C'est un restaurant. Alors, un restaurant le plus gros. Il y a un mec qui me regarde, donc c'est horrible. Putain, il y a deux mecs, je sais pas ce qu'il sait, il me regardait. Bref, les gars, on va reprendre Pokémon. C'est glauque, mon frère. Enfin, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Limite, c'est une autoroute, je sais même pas, tu vois. Fermez aux piétons, vas-y, rentre. Vas-y, Moré, allez, vas-y. Putain, il y a un mec. Alors, désolé, hein, pour le film. Ah, il m'a regardé, mon frère, il a lâché un sourire. J'ai de violer. Je vais reprendre Pokémon, désolé. Enfin, le cadrage, je sais pas. Je sais pas, vous entendez bien. Il y a un peu de vent. Je vais faire. Bon, moi, c'est pas mal, ça me dérange pas. Vous, j'espère que ça va pas trop vous déranger. On va changer de trottoir parce que le mien a l'air glauque encore.
Puis on se dit tout de suite les gars, sur Pokémon. Allez. Aucun Pokémon. Ah, on a bientôt le Pokéstop, ça c'est bien. Et je vais dormir ici, s'il te plaît. Je vais dormir ici. Ah tiens, je vais pas vous faire voir. Enfin, je peux pas vous faire voir, sinon je vais devoir relancer la pluie encore, ça va être chiant. Mais là, tu vois, en face de moi, il y a écrit I. Donc, comment on appelle ça déjà en français? C'est le mec qui bidonne. Non, je sais même pas parler portugais. Point I, tu vois, c'est un point. Enfin bref, ça veut dire que c'est un truc touristique derrière, un truc important. À 150 mètres. Et tu vois, il y a le Pokéstop. Donc, c'est à peu près là, tu vois. Ça veut dire que c'est vraiment un truc archi connu. Enfin, tu vois, je pense que tu vois le panneau, c'est ça. D'ailleurs, je passe mon code dans deux ou trois semaines. Trois, quatre semaines, ouais. Enfin, peut-être que j'apprenne ça, sinon je suis mort. Eh oui, passe mon code. Okay. Putain, c'est pas mal. Il y a une baraque, sa mère. De toute façon, je ferai voir la baraque là où je vais être. Vous allez halluciner, les gars. Moi, elle est pas à moi, hein. Je suis pas riche. Je vous lance 4-500, alors. J'imagine un peu. Ah bah moi, tu sais, quand il y a mes potes, je leur dis quoi, moi? Attends, il y a plus les stops, j'ai qu'à me pas faire ta gueule. Hop, voilà. Donc pour vous faire voir, c'est ça, en fait. Putain, il y a que des vieilles pokéballs de merde, on s'en bat les couilles. Putain. Bref. Moi, quand il y a mes potes, tu vois, si on me demande un jour quelle voiture t'as, moi, je dis une italienne, frère. Une italienne. Vachette, c'est une italienne. Une italienne, t'es mon frère. Dans la maison où je vais être, enfin, ça va être une tuerie, je vais vous faire voir. Peut-être pas visiter toute la maison, mais faire des hectares. Il y a au moins 2 hectares de maison, mon frère. Pourquoi je dis tout ça, mon frère? Oh, il y a un char. Depuis tout à l'heure. Oh, il y a un œuf, tiens. Suspense. Allez, vas-y, hein, c'est un œuf à deux. On est connu comme ça. Oh, ça bug. Oh, hein, voici, Irène. Voici. Ok, ça. Oh, il est pas mal, hein, il est pas dégueu. Je me suis dit, il va être dégueu, le mec. 1000. Ah oui, 1000 XP. Oui. Bon, on va en faire un, hein. Par contre, je veux un 9 à 5. Hein, parce que... Moi, les poissy-poissy-poissy-rennes. Poissy-poissy-poissy-rennes. Allez, on va faire un 9 à 5. Parce que j'ai pas encore de Fadus. Merde, c'est con. Hop. Pendant que toi, tu collectionnes les ex, moi, je les remplis dans mon Pokédex. T'es la phrase de tout ce qui se passe. C'est pas une nationale, c'est une internationale ici. Bon, il y a encore des nostéphatis, là, machin de merde. Pourtant, je vous jure, je n'habite pas dans une grotte. Mais il y en a. Regarde. Ouais, je vais arriver dans 5 minutes. 2-3 minutes, je suis arrivé. Non, voilà, si vous voulez plus de vidéos sur Pokémon Go, vous faire un peu le paysage, raconter des vannes, enfin, etc. J'étais comme... Oh bah putain, on va finir la vidéo en beauté. C'est quoi ça? C'est encore un Osaki. Bon, c'est de la merde, mais on va prendre un petit peu d'XP. Putain, je vois rien. Il y a la Pokéball qui a dû partir. Oui, bah arrête de te défendre. Allez, je tourne. Je vous dis, je suis une merde. Bon, on va le faire normal. Hein. Parce que bon, tu vois, dans le bled où je suis, il n'y a pas beaucoup de Pokéstop. Je ne vais pas manquer les Pokéball. Pas dit bonjour. Du coup, c'est fini qui sa mère. Bon, ça va être bien ça. On va pouvoir augmenter notre machin après. Bon, les gars, si vous voulez plus de vidéos sur Pokémon Go, dites-le-moi. Si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez du Call of aussi, pendant les vacances, il y a deux vidéos du Call of. N'hésitez pas à me le dire. Puis voilà, hein, simplement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la prochaine. C'était Nibra. Et puis, allez, pisser les gens.